Voici la voilà, Camille. Mesdames, messieurs, quelle surprise! Quelle surprise pour Camille! Faites du bruit, s'il vous plaît! La première féminine, première mascarine! Ça s'est super bien passé. Dès que j'avais un coup de moins bien, ça relançait. Après, je suis de Grenoble, donc les montagnes, je connais, mais la chaleur et tout, je suis pas habituée. Magnifique. Super joli. Ouais. Le lever de soleil là, dans ma fac, c'était génial. Je m'étais dit, jusqu'à Dodane, il faut que je sois bien. Donc, je suis arrivée à Dodane tranquillement. Tout allait bien. Qu'est-ce qui motive? Les encouragements. Les amis, tout, et puis après je me suis bien entraînée, je me suis bien reposée, donc je pense que ça a contribué à que ça se passe bien. Deuxième féminine pour Saint-Yves et surtout Hortense, bien heureuse. La première partie de course dans la nuit, ça a été, je me suis mis dans ma bulle, j'ai fait ma course en étant régulière, surtout pour passer ce mur de Dodane, parce que c'est une partie quand même, c'est une montée quand même assez dure. Donc je voulais passer cette partie-là sans casse en fin de compte. Après, là, ça s'est bien passé. Et après, arrivé à la possession, quand j'ai entamé le chemin des Anglais, là, ça a été dur. Il a commencé à pleuvoir. Et après, quand ça s'est arrêté, il y avait un soleil. C'était incroyable et franchement, j'avançais plus, c'était dur, c'était insupportable quoi. Et je l'ai fait l'année dernière et franchement, elle est aussi toujours dure. Mais après, en même temps, je suis contente parce que j'ai quand même amélioré mon chrono de 18 minutes. Je suis deuxième, donc l'année dernière, j'ai fini troisième. Donc voilà, je suis contente, voilà. On accueille ici Caroline, mesdames, messieurs, troisième féminine. J'ai vraiment été dans le dur là sur la deuxième partie de course. Parce que en fait, je suis pas spécialement entraînée pour ce type de parcours. Je m'entraîne beaucoup mais en foncier et là il m'a manqué un peu de spécifique je pense. Mais je suis super contente, j'ai découvert des parties de l'île de la Réunion que je connaissais pas. Donc ça c'est un super bon point positif. Ma fat ce matin c'était juste génial. Le lever de soleil là-bas. Après dès que le soleil s'est levé, moi j'ai pas trop l'habitude de la chaleur parce que j'habite en Savoie, en métropole et du coup les chaleurs on n'est pas habitué. Et pourtant aujourd'hui on a je pense eu les conditions idéales pour un grand raid parce que c'est un peu nuageux donc ça permet de se préserver quand même. Donc positif ouais.